La sorcellerie, c'est pas, c'est le risque, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il t'entend des mal finis. Mamie, doucement. On attend de régler un problème. Tout compte fait, on a toujours besoin de pardonner. Dans le christianisme, on a besoin de pardonner. Peu importe la manière, peu importe ce qu'il a fait, mais ce que je vous conseille, écoutez bien sa conclusion. Il a fait une très bonne conclusion. Je l'ai vu tout à l'heure en train de dire. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il a passé un moment de silence. Il dit, je pense. Il dit, pense à quoi? Il dit, je pense à mon passé. Ce que j'ai fait. Et j'ai demandé, il dit, non, je regrette. Voilà. C'est-à-dire, il a fait, je ne vais pas dire inconsciemment, il a fait parce qu'il était sous une emprise des démons. Monsieur, attendez, s'il te plaît. Quand on va finir là, tu vas pleurer sur là-bas, t'as compris? Maintenant, laisse-moi parler. Il a fait ça sous une emprise des démons. Les démons l'ont manipulé en détruisant vos vies, en faisant des choses. Mais il a besoin d'être aidé. Amen. Amen. Il a besoin d'être aidé. C'est ce que nous sommes en train de faire. Tout compte fait, on a besoin de réconcilier des gens. Aujourd'hui, là, s'il est délivré, mais gloire à Dieu. S'il est délivré, que vous êtes délivré, gloire à Dieu, la vie continue. Amen. Vous l'avez bien dit que c'est votre parent. On ne choisit pas un parent. C'est vrai que ça fait mal. Moi, avec mais s'il te plaît, c'est moi qui parle maintenant. Tu as parlé jusqu'à... S'il te plaît. Hein? Et puis tu veux la manger. Et puis tu veux la manger. Tu veux me montrer quoi? Même père, même mère, tu veux manger ça. Tu as une fois vu quelqu'un, on a même père, même mère, on peut en manger. Donc faut te taire quand je parle. Même père, tu veux me présenter quoi? Même père, même mère, on mange pas. Tu manges ça? Doucement, hein? Voilà, donc tout ce que je veux, il faut lui pardonner. Il a compris. Voilà. Il n'est pas venu ici pour que vous le rejetez. Il n'est pas venu ici pour qu'il soit blâmé après. Non. Il est, vous l'avez envoyé dans la présence de Dieu. Non seulement ça, si vous pardonnez, Dieu va vous restaurer. Vous comprenez? Si vous pardonnez vous-même à ce monsieur, parce que Dieu dit pardonner aux hommes, pardonner les fautes aux hommes comme vous, lui-même vous pardonne, n'est-ce pas? Quand on demande pardon à Dieu, là, c'est parce qu'on a péché, non? Donc Dieu aimerait que si vous pardonnez aux hommes qui vous en font du mal. C'est ça le principe de la chrétienté. Parce qu'on dit, Dieu, j'ai péché contre toi, pardon. C'est la même chose que Dieu va demander aussi de pardonner aux hommes. Quand vous lisez un peu la prière de Jésus-Christ, pardonne nos fautes comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos fautes comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, il faut pardonner à ceux qui vous ont offensés. C'est une question de maintenant, Dieu entend délivrer certainement quelqu'un en spectacle. Mais le but que Dieu veut atteindre, c'est la délivrance de ce monsieur et votre délivrance. Amen. Amen. On a bien compris. Amen. Voilà, demain c'est samedi, n'est-ce pas? Vous dites que d'autres personnes seront là, n'est-ce pas? On attend qu'ils viennent. Après, on va finir ça une fois pour de bon. Ce qui sera plus intéressant, c'est votre nouvelle vie. Nous, ce qu'il a gâté, il a gâté. Il ne peut plus arranger. Lui, il ne peut pas. Voilà, soit il ne peut pas arranger. Pourquoi tu parles? Tu peux arranger? Monsieur, tu peux arranger? Voilà, il ne peut pas arranger. Donc, vous avez confié ça au Seigneur. Et Dieu va arranger ça. Moi, de toute façon, je regarde et me fait pitié. Parce qu'il s'est fait blaguer par le démon. Le diable a blagué. Le diable a fait croire qu'en faisant ça, il était à l'aise. Maintenant que l'esprit du diable entend le quitter, il regrette. Tu vois quelqu'un qui est sur le fait de la drogue. La drogue, quand la drogue quitte, quand il finit de tuer, il regrette. La vie. La vie. Hein? La vie. La vie. Non. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Jamais. 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 Tais-toi là-bas, ferme ta bouche. Jamais il n'a rien fait sa bouche. Il dit la vie, jamais il dit ferme ta bouche. Jamais il connaît, c'est totalement. On va l'aider. Tu regrettes, non? Il faut demander pardon. Comme on fait au village. Demandez pardon. Pas dans ta langue, il faut demander pardon. Oui, soit là. Vous devez le faire, non? On a une manière de travailler. Si ça vous choque, bon, ok. Eh, non, 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 non. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a Incapable que nous voyons, nous voyons que 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 nous voyons que
Après, il faut les carmoyons. Ma bébé, ma dogue noy. Nga dogue noy, de ou a kounoyon. Mouke pas le wako, yenini, wako l'arrêté. Yéda ou quoi? Il dit que la manière dont nous on le prend là, qu'il n'a jamais vu une famille qui s'occupe d'un nom comme ça. Donc il nous demande pardon et qu'il le regrette. Il dit, il nous demande pardon. Il regrette sa sorcellerie. Il regrette la sorcellerie, il regrette tout ce qu'il a fait. Il nous demande pardon. Soto. Ok. Soto. Non, ce n'est pas de la comédie. Je ne veux pas que vous preniez ça comme de l'amusement. Il est sincère. Écoutez-moi, écoutez la parole de Dieu. Regardez ici. Je vais vous lire la parole de Dieu. Parce que tout sert, ça base la parole. Quand vous lisez dans Jacques le chapitre 5, à partir du verset 6, 16, Jacques le chapitre 5, le verset 16, dit confessez. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez pour les uns les autres, afin que vous soyez guéris. Regardez, la Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. C'est-à-dire, ce qu'il a fait là, il doit vous demander pardon, confessez. Maintenant, nous, notre rôle maintenant, c'est de prier pour lui, pour qu'il soit guéri de la sorcellerie. Jacques, le chapitre 5, le verset 16. Donc, c'est biblique. Confessez, il a dit ici, confessez, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ce n'est pas à Dieu, à vous qu'il a fait du mal là. C'est à vous qui venez confesser le péché. Afin que vous puissiez le pardonner. Et que si nous prions pour lui, qu'il soit guéri de la sorcellerie. Et que vous soyez aussi délivré de la sorcellerie. Amen. Amen. Voilà, donc c'était vraiment une étape très importante. Mais j'aimerais que vous compreniez ça comme une action de Dieu. Et puis ne mettez pas ça dans un esprit de vengeance. Je sais que vous êtes beaucoup sage. Ne voyez pas ça comme quelqu'un qui ne va pas changer. Non. Je pense que la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on détruit. Hein. Et puis il y a un temps où Dieu nous amène devant les faits. Et puis Dieu nous amène, parce que le but que Dieu veut atteindre dans la vie de ce monsieur, c'est de le sauver. Amen. Si Dieu ne voulait pas, il n'allait pas arriver ici. Amen. Il allait mourir dans ses péchés. Amen. Et puis vous-même, ne serez pas délivré. Donc, voyez ce que Dieu est en train de faire. Non seulement ça pour le pardon de ce monsieur, et pour la délivrance que Dieu vous accorde. Amen. 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 Voilà, parce que c'est important. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout, prier pour la famille. Soyez une grande étape. Parce qu'ils ont fini maintenant les aveux, il a fini les aveux. Nous allons demain procéder à la prière. Les enfants seront là demain à quelle heure? On pense que tout le monde sera là demain à quelle heure? À 10h? Oui, vers 10h. Vers 10h, ok, c'est intéressant. Parce que moi, c'est ma partie. Le soir, c'est le révérend qui prêche. Moi, matin, tout le monde m'occupe de vous. Donc, 10h déjà, je vais commencer déjà à régler le problème. Amen. Amen. Voilà. Vous avez dit à vos secrétariats, chacun dit à sa bouteille en ce moment. Bon, on va voir ça. Oui, on va régler ça, tout ça. Une fois pour de bon. Que la famille soit délivrée une fois pour de bon. Nous prions le Seigneur. Nous prions. Seigneur. Nous voulons te prier, merci, de te manifester et de te glorifier dans la vie de ces bien-aimés. Nous comptons sur la grâce, sur la manifestation de ton pouvoir et de ton règne. Merci. Que la puissante main de ton esprit se manifeste et nous comptons que ton règne vienne et que la gloire de ton esprit se manifeste. Nous comptons sur toi, nous comptons sur la puissance de ton esprit. Et merci de te manifester et merci d'agir pleinement. Et merci de ton esprit qui te manifeste au nom de Jésus. Nous l'avons prié. Amen. 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 Voilà, que Dieu bénisse. Bien, la famille va jeûner. Vous jeûnez jusqu'à 16h-17h. Parce que c'est vraiment une étape très importante pour votre vie. Il faudrait que juste après cette action-là, et que vous soyez visités là où vous êtes. Amen. Voilà. Amen. Que nous ne soyons pas seulement, ah non, on a écouté le notre. Non. Après les aveux, il faut qu'il y ait un déclic, il faut que votre vie soit délivrée. Amen. Mais ne le voyez pas comme un ennemi, non, non. Mais voyez comme une âme que nous tous nous devons sauver. Amen. 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 Voilà, nous vous asseoir tout le monde. Merci, papa. On va gérer. Hein? Toi, tu dois faire 10 jours, c'est. Toi-même, c'est 10 jours. Comme ça, les petites viandes qui sont restées dans la poche de ton estomac, là, ça va brûler. Amen. Amen. Voilà, c'était beaucoup d'émotions, mais c'est comme ça ici. Que Dieu vous fortifie. Amen. 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 Que Dieu vous fortifie. Et la vieille qui quitte Abidjan, la vient. Et le vieux, tu peux aller à dehors pour prendre un peu d'air. C'est pas de l'esclavage ici. Va un peu dehors. Voilà, va. Yako, faut revenir chez nous, hein. Amen. Chez nous ici, on ne met pas bien de l'homme. Faut venir chez nous, il y a bon viande. Il y a les poulets, comment vous appelez?
Hein? Et elle est venue qui ici? Venez, s'il vous plaît. Pour vous dire, nous, c'est des gens qui viennent se faire délivrer. Ils trouvent que parce que le problème qu'ils ont aujourd'hui, ils ne peuvent pas régler ça dans leur famille. Ils ne peuvent pas. Parce que la sorcellerie, ça divise, hein, ça crée pas mal de choses. Donc, nous ici, nous prenons la peine de les délivrer et de les réconcilier avec leur famille. Oui? Quoi? Allô, allô. Allô? Emiliel, oui. J'ai gardé les choses. Tu as vu le vieux là, ton collègue, il a parlé bien, jusqu'à il y a eu pardon dedans, puis c'est bien fini. Faut pas faire comme ça, rentrer ici dans des chimpanzés là. Tu es sorcière? Je suis sorcière. Tu reconnais ça? On t'a pas forcé? On m'a pas forcé. On t'a pas forcé? Tu es sorcière? Oui. Depuis quand tu es la sorcellerie? J'étais petite, c'est ma tante qui m'a élevée. Qui t'a donné ça? Oui, c'est ça qui m'a... C'est votre maman? C'est ta grand-mère, d'accord. Comment elle s'est retrouvée ici? Elle s'est retrouvée ici par les accusations. Il y avait tellement de trucs dans la maison. Hein? Quel truc? Tellement de morts. Ah, d'accord. Moi, ma maman partait au travail en 2011. Oui. Elle partait au travail, puis elle a été limée par la sorcellerie. Elle est morte sur le pont. Sur le champ? Oui, sur le champ. C'est vous qui avez fait ça? Elle avait 6000. Elle avait 6500. C'est vous qui avez fait ça? Hein? Oui, monsieur. Hein? Oui, monsieur. Le prophète. Oui. On n'est pas dans l'école de EPP. EPP divoteux. Si c'est sans des prières. C'est toi qui l'as ensommé. Hein? Le prophète. C'est toi? C'est moi. C'est ta fille? C'est ma fille. Et puis tu l'as ensommé. Oui. Comment tu as fait? C'est bon, j'ai pris pour la carrière. Ta propre fille? Et pourquoi? La sorcellerie, monsieur, c'est pas bon. Non, attends. C'est pas bon, puis tu as fait. Toi, réussis à faire, c'est pas bon. Pour créer en nous d'un cœur de trucs. Nous, on sait que c'est pas bon. Mais c'est toi qui savais pas que c'est bon. C'est pas bon. Comment tu as fait? La tapé. Hein? Il t'a tapé. Elle t'a fait quoi? Elle m'a rien fait. Puis tu l'as tapé. Quelle est mort, tu as pleuré? J'ai pleuré. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? J'ai pleuré aussi. Faut pleurer, voyez-vous. Tu as fait quoi? Maman, ma fille! J'ai et pourquoi tu pleures? La chose qui m'est arrivée, je ne sais pas. Ça t'est arrivé comment? C'est en sorcellerie. Non, filme pas, toi qui es dehors. C'est en sorcellerie. En sorcellerie? Oui. Comment ça fait? Elle dit que comment ça m'est arrivé, je ne sais pas maintenant. Ma fille est morte, c'est ça. On ne permet pas que d'autres personnes filment parce qu'on ne sait pas comment, à quelle fin vous allez exploiter les images des gens. Nous ici, c'est pour les aider, et puis nous, ça nous aide à progresser dans notre lutte contre la sorcellerie. Tout compte fait, ceux-là, nous ne les rejetons pas. C'est vrai, même si c'est un peu chaud, les aveux, les moments des aveux, mais au finish, on les accepte et puis on les réconcilie avec leur famille. Et puis on les suit après. C'est comme ça le travail qu'on essaie de faire. Pour que ça soit réglé une fois de bon dans la tête des gens. Parce que souvent, les gens vous soupçonnent. Ils ont une intuition. Du bon Dieu les parle. Et puis ça reste dans des doutes, sont des formes d'accusation. Et quand la vérité sort au grand jour, ça libère tout le monde. Vous comprenez, non? Psychologiquement, tout le monde est libéré. On sait que ah, c'est elle qui faisait tout ça. Et quand on a délivré, bon, la vie continue. Et puis voilà. Comme ça. Parce que quand j'ai entendu le petit parler, dit, elle est venue ici par accusation, n'est-ce pas, non? Ouais. Voilà ce qu'on s'est passé. Maintenant, la vieille dit qu'elle est sorcière. Elle a déjà dit ça là-bas? Moi, je sais qu'elle est sorcière. Parce que... Non, elle vient de confirmer. Oui. D'affirmer et tout à l'heure qu'elle est sorcière. Quand elle demandait, elle ne disait pas qu'elle n'a pas dit qu'elle était sorcière. Ah, là-bas, elle ne disait pas. Non. C'est ici qu'elle a commencé à parler. Ah, la vieille? Oui. On revient, on dit là-bas, tu dis non. C'est ici que tu as commencé à dire que tu es sorcière. Et quand mes enfants s'en vont à la prière, là, ce sont venus me dire. Moi, j'ai non, répondu. Tu ne réponds pas à ma question. J'ai répondu oui. Ton collègue l'a dit, il s'est bien posé les questions. Moi, il s'est très bien posé les questions. J'ai dit, l'enfant dit là-bas, là, tu ne reconnaissais pas ta sorcellerie. C'est ça. Pourquoi? J'ai parlé, maintenant, un moment, j'ai dit oui. C'est moi qui fais tout ça. Elle a dit ça? Oui, j'ai dit à ça. Ça, moi, je n'étais pas là. Ah, mais elle a dit. Oui, j'ai dit. Oui, oui. Ok. C'est ce que je voulais savoir. J'ai dit à mes bon, sur ce principe-là, ça doit vous désarmer. Parce que la vieille, elle reconnaît qu'elle est dans la pratique de la sorcellerie. Mais, à vous, elle a dit là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas délivré. C'est ça que le sorcier ne peut pas vous dire. C'est à cause de ça. Non, la vieille, attends. Attends. Parce qu'elle ne peut pas vous dire qu'elle est sorcière. En vous le disant là, vous faites quoi? Elle peut, vous ne pouvez pas la délivrer. Peut-être c'est quoi vous allez chercher, où est je suis, vous tapez la nuque de la vieille, t'es sorcière, t'es sorcière. Bon, c'est pas ce qu'elle veut.
elle veut sortir d'une confrérie. Vous comprenez, non? Donc quand le sorcier vient vous avouer sa sorcellerie, c'est de sortir de la sorcellerie. C'est pas pour, pour aggraver encore la situation. Donc, elle se sent dans un endroit où même elle voit ses collègues en train de faire des aveux, en train d'être délivrée. Donc elle est libre. Elle se dit qu'elle est rassurée qu'ici, elle peut être délivrée. Tu vois, non? Parce que souvent qu'elle elle confesse devant vous, là, c'est un danger, hein? Vous pouvez la tuer après. Il y a des sorciers qui ont fait des aveux, on les a tués. J'ai dit ça à mes enfants aussi. Tu as dit? Mon fils qui m'a envoyé ici là. C'est lui, j'ai dit, c'est lui qui m'a envoyé ici. Parce que tu as déjà beaucoup mangé, c'est ça, non? Tu te demandes la vie. Oui, j'ai beaucoup mangé. Tu as mangé beaucoup. Pourquoi tu manges les gens que tu as accouchés? Pourquoi? C'est la sorcellerie mais qui fait ça. C'est pas moi. C'est où la sorcellerie? Ça quitte à la maison, puis avec tes bras. Ça pour aller manger tes enfants. Ça est dans mon corps. Donc c'est toi? Oui, c'est moi. J'ai dit c'est moi. Je n'ai pas